Salut à tous, et oui, je suis motivée aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo que je tourne dans la journée après une série de covers où je savais même pas si j'avais envie de refilmer et tout. Et là, le fait d'avoir récupéré l'appareil photo, bah, ça me donne envie de tourner à fond. Et donc, on va faire une deuxième vidéo où je vais vous présenter mes favoris du moment. C'est les fils de coton que je trouve chez Action pour faire mes bracelets brésiliens. Je vous en avais parlé. Ils sont vraiment pas chers. 76 centimes les 8. Donc j'ai fait par exemple celui-ci. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? J'ai fait celui-ci. J'essaye vraiment de varier les techniques et pour ça, il y a Pinterest qui m'aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de schémas. C'est vrai qu'au départ, j'ai acheté un magazine où il n'y avait que des schémas. Je ne comprenais rien du tout. J'étais là, oui, mais non, moi je ne sais pas faire ça. Donc voilà. Mais avec un peu de patience, quelques petites vidéos YouTube. Ça aide et après on est au taquet et on arrive à faire des beaux bracelets brésiliens. D'ailleurs, ma nièce, on a vu un sur celui sur le bras de mon neveu. Et je lui ai demandé si elle en voulait un pour son anniversaire. Elle m'a dit bah oui. Donc tu auras ton petit bracelet brésilien. Il est préparé, mais je ne vais pas te le montrer aujourd'hui. Popcorn, micro-ondable de chez Action, mais c'est une tuerie. J'adore le popcorn, mais justement pour cet ancien goût là. Vous savez, quand on était petit, qu'on faisait. Enfin, je sais pas si vous avez connu ça, mais qu'on faisait pomper ce popcorn au micro-ondes, on était hop, hop. Et c'est la conseil de parce que ça ralentit. Pas sachet, ça fait vraiment une quantité énorme, ça paraît petit comme ça, mais le sachet une fois popé, il fait le plus que cette taille-là. Vous voyez par rapport à ma main quand même que c'est assez imposant. Et bah, c'est très bon. Donc je voulais les racheter cette semaine, mais il n'y avait que les saltes. Parce qu'en fait il y a les suites et il y a les saltes chez Action. Et moi j'ai pris les suites. J'ai pas envie de goûter les saltes parce que je me disais ouais, c'est quand même assez bizarre. Et il n'y avait pas, donc j'ai pas acheté, mais la semaine dernière j'en avais acheté 3 boîtes. Ceci, je ne sais pas si vous la reconnaîtrez parce que ça vient d'AliExpress et c'est pas la représentation exacte, mais c'est Ariel en diamond painting. En fait, c'est quoi les diamond painting? C'est des tout petits diamants, entre guillemets, des petits strass qu'on vient coller sur une feuille adhésive. Donc il y a les numéros et ça correspond. Il y a tout un système, mais c'est très intéressant, c'est très reposant. Faut de la patience, parce que c'est très long. J'en ai acheté à Action qui se reviennent moins cher du coup, parce que c'est des grands de 32 par 42 qui coûtent 4,49€. Et là, pour un 20 par 30, j'ai payé 2,90€, je crois, un truc comme ça. Donc chez Action, ça vaut clairement le coup. D'ailleurs, j'en avais trouvé des 20 par 20 à 1,109€, mais dans le rayon enfant, donc c'était beaucoup plus vite terminé. Mais vraiment Action, enfin, il regorge de choses même qu'on peut trouver sur AliExpress, mais beaucoup plus cher que chez Action. Donc là, la petite sirène, je ne vous ai pas tout pris, mais c'est vraiment une passion du moment de coller ces petits strass. C'est le henné de chez Aromazone, donc là c'est le henné d'Egypte. Et clairement les reflets, enfin voilà quoi. Il y en a du reflet, il y en a du roux dans mes cheveux. Mais j'adore, franchement j'adore. Donc c'est coloré et fortifié, bah tout à fait. Donc c'est un henné qui est pour les cheveux roux et châtains à brun. Donc voilà, le henné ne couvre pas les cheveux blancs. Le henné ne couvre, enfin, pour les cheveux blonds, il faut faire deux applications d'après ce que j'ai compris. Moi j'ai les cheveux roux, donc c'était nickel, ça a accentué les reflets de mes cheveux et c'est tout ce que je demandais. Je laisse mes cheveux reposer maintenant parce que vraiment ils ont souffert pendant des années et maintenant je vais en prendre soin un max. Et il me remercie bien. Ensuite, donc toujours dans le côté cheveux, parce que c'est un FN Swap de chez Forever. Il peut servir de gel douche, mais j'ai pas envie parce qu'il n'y a pas de parfum. Moi j'aime bien quand il y a du parfum dans mes gel douche, même si c'est très doux et tout, mais j'aime bien quand il y a du parfum. Et en fait, je m'en sers pour me laver les cheveux, donc comme vous avez vu dans la vidéo routine capillaire. Et c'est cool parce que, bah, en fait, ce petit flacon il est énorme. Je sais pas comment il fait, mais il est énorme. 473 ml, donc il y a pour un bon moment. Et donc je fais toujours 3 shampoings après avoir posé mon huile de coco que voici. Donc là elle est solidifiée parce qu'il fait pas assez chaud dans mon appartement, heureusement, parce que sinon c'est plus vivable vu que j'ai pas de volet. Donc c'est une huile de coco vierge et ça... Ah non, je vous disais Marc Repère, mais non, c'est Léa Nature. C'est la même marque que... Bah non, j'ai rien à voler. Ah si, c'est la marque sous bioéthique. Donc là c'est la fille bébé crème et je l'adore parce que là vous allez pas le voir, mais avec les fonds de teint conventionnels,
Je me retrouve toujours avec une zone de sécheresse sur le nez, mais qui est vraiment hideuse, quoi. J'ai la peau de plus en plus sèche, je pense que c'est dû au traitement. J'ai même des dents qui se cassent, j'en avais déjà parlé, et voilà, au bout de 13 ans de traitement, je commence vraiment à ressentir les effets négatifs du traitement, et c'est dommage, mais je peux toujours pas m'en passer, et c'est comme ça. Je vous ferai d'ailleurs un jour une vidéo explicative sur vraiment tout ce qui m'est arrivé, pourquoi j'en suis là en fait, pourquoi j'ai dû arrêter de travailler, pourquoi j'ai une maladie psychique. Donc c'est la BB Crème Perfecteur de Teint de chez So Beautique, donc c'est la marque de Léa Nature. Et franchement, avec cette BB Crème là, je l'applique au doigt parce que franchement elle est facile d'application. Et je n'ai pas ce problème de sécheresse sur le nez, je l'applique au doigt. Bon là j'ai une taille de sécheresse, donc c'est forcément d'abord sortir, mais là c'est autre chose, c'est l'eczéma. Donc ensuite ce petit gel douche, donc c'est un gel douche bio de chez Nae. C'est une recette enrichie en extrait de figue bio et d'hibiscus bio. Donc on a pas mal d'ingrédients, ma foi. Je suis pas sûre que tout soit géniaux. J'ai pas regardé la compo sur la vérité sur les cosmétiques avant de l'acheter. Mais il me tentait vraiment, il sent vraiment très bon. J'avais celui de So Beautique avant, mais je trouvais qu'il sentait trop l'huile essentielle. Et moi, l'huile essentielle, clairement, ça va pas, pas d'huile essentielle pour moi. Enfin, pas d'odeur d'huile essentielle, parce que là, il y en a peut-être, je sais pas. Mais voilà, donc ce gel douche de chez Nae. Et en ce moment, donc, je sais pas quand je posterai la vidéo, mais en ce moment, il est à 1,95€ chez Leclerc. Parce qu'il y a une promo de 40% sur le prix de base. Donc il revient à 1,95€. J'hésitais à m'en prendre deux, mais je trouvais que l'autre sentait vraiment trop l'huile essentielle. Donc j'ai pris l'odeur la plus douce. Pour me démaquiller, du coup, toujours. Là, je pense que j'utilise autre chose. Parce que, comme je vous ai dit, pour mon visage, je mets du maquillage pas bio. Donc des soins pas bio, à la limite. Voilà. Même si je préfère que ce soit bio. Donc c'est une eau micellaire de chez Fanétique. Donc c'est Être une femme, j'adore les petits packaging de chez Fanétique. J'en avais eu dans les box, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était ma boîte à beauté. On avait souvent des produits Fanétique. Cette eau micellaire, elle est vraiment géniale, ouais, tout type de peau. Moi, elle m'a pas causé de problème de peau. Même quand je l'applique sur mon eczéma, ça apaise un petit peu. Donc voilà, très bien. Et enfin la Gelly qui me sert à hydrater mes cheveux, même quand j'ai un bobo, je me l'apaise avec, qui sert à faire mes boucles, voilà. C'est très bien, c'est un produit naturel, ma foi, il n'y a pas 15 000 ingrédients non plus, quoi, et voilà, nickel. Voilà pour mes favoris du moment. Donc, je ne vous ai pas montré de maquillage, parce que je me maquille de moins en moins, c'est devenu de plus en plus rare. Et voilà pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris, vos coups de cœur du moment. Et ça me fera plaisir de lire ça et peut-être que je découvrirai des super choses. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !